Good morgen, allez, Iden les sur aujourd'hui, le Lunishma Sharon Ben Fortune Mazal, Claudis Rak Ben Fortune Mazal, Eden Miriam Batelisa Sayak, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions au Seretsuka, Perik Bet, Mishnah Chet, Nashim va Avadim Uktanim, Pturim Minasuka. Katan Janotzerich Leimo, Chayav Basuka. Maser Yalda Kalatosh al Shama, Yazaken, ou Pichet et Amaziva, Vesikech al Gabal Mita, Bishvil Hakatan. Mishnah qui va s'intéresser à définir quelles sont les personnes imposées de la mitzvah de Souka. Nashim va avadim uktanim, les femmes, les esclaves et les enfants. Pturim minasuka, ils sont dispensés de la Souka. Soit la mitzvah de la Souka est obligée que pour les hommes et pas pour les femmes, qu'il s'agisse de manger comme de dormir, ni pour les femmes, ni pour les esclaves, ni pour les enfants. Vous connaissez sûrement la règle que toute mitzvah assez. Chez Azman Grama Nashim Turot. Toute mitzvah assez, mitzvah active, qui a un temps fixe, qui dépend d'une période fixe, des fois t'es imposé, des fois t'es pas imposé, alors les femmes en sont dispensées. Elles sont dispensées du tzitzit, parce que le tzitzit on ne met que le jour. Idem pour les tefillin. D'accord? Sauf quand la Torah elle est explicité, en l'occurrence, je vais dire le Shabbat. Les Shabbat elles sont imposées. Parce que c'est explicite dans la Torah. D'accord? Maintenant, ça, c'est en général. Maintenant, il y a quelques exceptions à la règle, quand la Torah le précise, comme par exemple pour le Pessah, l'obligation de manger de la matzah le soir du 15 Nissan, les femmes ont l'obligation. Là, de ce fait, le Bartanora nous rapporte qu'il y a un pasouk qui exclut, en revanche, pour la mitzvah de la soukha, qui exclut la femme. Pourquoi il a fallu exclure la femme? Parce qu'on a déjà appris qu'on apprenait par juxtaposition. Que, autant que le 15 Nissan, tu as une obligation de manger, le 15 Tishrei, tu as aussi une obligation de manger, le 15 Nissan, tu manges de la matzah, le 15 Tishrei, tu manges dans la soukha. On aurait pu, dans ce cas-là, apprendre aussi par cette juxtaposition aussi d'imposer aux femmes. C'est pour ça qu'il a fallu un pasouk qui va exclure la femme, Kol Ha'Ezrach Ve'Israël, pour exclure les femmes, comme le dit le Bartendora. Les Ktanim, alors on va en parler longuement, Pturim Minasuka, ils sont dispensés de la soukha, pour le moment on parle des nourrissons. Mais la Mishnah me précise, Katan Sheino Tsarich Leimo, un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, Chayav Basuka, il est imposé de Souka. Il est obligé, on est obligé de le faire dormir, manger dans la Souka. C'est quoi qui a besoin de sa mère? On a besoin de notre maman jusqu'à même 40 ans, au Rochem jusqu'à 120 ans. Et du coup, donc c'est un enfant qui n'a plus besoin de sa mère, ça en fait non. On parle d'un cas où l'enfant se réveille la nuit et qui pleure en disant maman. Alors la Bartanora précise, si il appelle un peu, mais après il se rendort, ça s'appelle qu'il a besoin de sa mère. Mais s'il se met à crier, hurler, maman, 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 jusqu'à que, ima, 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 jusqu'à que sa mère vienne le voir qu'est-ce qu'il a, alors là, c'est un katan qui n'est plus imposé de la mitzvah de la soukha. Il s'avère donc que les enfants, relativement très bas âge, ils sont déjà imposés de la soukha. Obligés de manger dedans, obligés de dormir dedans, c'est surtout ça, la difficulté. D'accord? Obligation de chinour. On va prendre une règle du chinuch, mais d'abord je finis la Mishnah parce qu'il y a un problème et c'est là où ça va partir. Maase veyalda kalato shel shamay yazaken. Il y a eu une histoire, une anecdote où la kala, la belle-fille de Shamay Azaken, pas Bet Shamay, la Shamay lui-même, le grand rave de l'école de Shamay, sa belle-fille a accouché juste avant ou pendant Sukkot. Et qu'est-ce qu'il a fait Shamay? Ou pichet et amaziva. Il est parti ouvrir la maaziva, supprimer le sol, vous avez, on avait expliqué qu'il y avait comme ils construisaient le sol, des bois avec du ciment, et il a tout retiré pour le mettre du srach sur la chambre à coucher où dormait le bébé. Mais Sikher Al-Gabé Amita, il a mis du srach au-dessus de son lit, Bishvi la Katan, pour que le Katan accomplisse la mitzvah. Soit vous constatez vous-même l'anomalie dans la Mishnah, tu viens de me dire que les enfants ils sont dispensés. En tout cas, quand ils savaient qu'ils ont leur mère. Un bébé, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin de sa mère pour manger toutes les 4 heures. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi l'histoire qu'il est parti ouvrir le toit, ce qu'on te dit? En fait, là, le RAN explique merveilleusement la discussion entre Shamay et Chachamim. Probablement Hillel, ou peut-être tous les Chachamim. Il y a une règle en Mitzvat Chinuch. À partir de quel âge les enfants sont imposés de chaque mitzvah? À partir du moment où ils savent l'accomplir. La Mishnah, c'est une Tosefta dans Souka, qui dit que dès qu'un enfant il sait mettre le talit ça ne veut pas dire s'habiller, c'est qu'il sait s'envelopper du talit comme il faut, il sait faire la mitzvah comme il faut, son père a l'obligation de lui acheter un talit. Dès qu'il sait
faire le loulav, ça veut dire pas juste le prendre, mais l'amener, le ramener dans les 6 directions, comme on a l'habitude de le faire, comme il se doit, dès qu'il est capable de comprendre comment le faire, le père a l'obligation de le faire faire la mitzvah. C'est la grande règle. C'est-à-dire que chaque mitzvah, vous allez avoir, selon son âge. Vous allez me dire les tefillines, alors pourquoi on ne les met pas depuis l'âge de 8 ans, ils savent depuis 8 ans faire comme ça? Parce que les tefillines, il ne sait pas les garder dans la kdoucha et la pureté, et sans en pensant à eux constamment. D'accord? On t'a dit que tu dois faire la mitzvah de manière parfaite. Parfaite dans l'action au moins. Les tefillines, c'est obligé de penser qu'on a les tefillines sur soi, de faire attention quand on parle, ne pas se laisser aller, entre parenthèses. Téléphone qui sonne avec les tefillines, ne savez pas trouver une solution, mais en tout cas, ne vous mettez pas à rentrer dans une discussion trop profonde avec vos tefillines sur la tête. J'espère que vous ne le faites pas. On referme la parenthèse. Et on revient donc sur notre sujet. C'est la règle. Tout ce que l'enfant sait faire, tu veux apprendre à faire depuis le tout bas âge. De ce fait, je pose une question. Depuis quel âge on a l'obligation de prendre un enfant à manger de la matzah? Vous allez me répondre. Depuis le moment où il est capable de manger un kazaï de matzah. Plus profondément, manger et comprendre pourquoi il la mange, parce que c'est important de lui raconter matzazo shamachlim, qu'il faut dire, comment c'est dit dans la matzah, qu'il faut dire, faut raconter, sachez, de raconter sur l'histoire de Yitzhak Mitzrayim avec la matzah. Dès qu'il est capable de comprendre qu'on est sorti d'Égypte et de manger la matzah, on a l'obligation d'acheter un kazaï de matzah et de le donner à manger. On revient maintenant sur la soukha. Depuis quel âge il est obligé de rester dans la soukha? Alors, manger, dormir, on fait ça depuis qu'on est né. Donc en théorie, Shammai il va dire, bah, tu sais quoi, depuis qu'il est né, ça s'appelle Efshar Veraoui. C'est le mot qui rapporte le Beto Sotium Tov. Efshar Veraoui. Il est capable. Et il est apte à le faire. Il a la capacité, il est capable de le faire. Dans ce cas-là, il devrait avoir l'obligation de dormir dans la soukha. Ça, c'est la vie de Shammai. Les rabbins me disent, non, c'est pas exact. Parce que puisque il dépend de sa mère, et sa mère a l'obligation de rester dans la soukha, elle, alors dans ce cas-là, il dépend de sa mère, et la mère n'a pas l'obligation de venir dans la soukha, alors comment il va faire pour dormir? Donc il n'est pas capable de dormir toute une nuit tout seul ici. Moi, la mère, elle reste dans son lit, elle n'a pas l'obligation de venir dans la soukha. Le petit, s'il veut qu'il vienne, donc vous voyez que le petit, il est un peu comme Anus. C'est un peu le même principe qu'on avait eu avec le malade et ceux qui assistent le malade, qui sont tous dispensés de la soukha. Là, c'est à l'envers, en fait. C'est le malade qui a besoin de sa mère, que sa mère n'a aucune raison de venir le suivre dans la soukha. Donc lui se débrouille, qu'il aille chez elle, dans ce cas-là, il est dispensé de la soukha. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selah.